Oui, j'ai annoncé ma candidature pour la bonne et simple raison que je suis le candidat du changement, de l'espoir. Nous avons suscité l'espoir et cet espoir-là, nous ne le trahirons pas. C'est pourquoi j'ai annoncé ma candidature. Vous avez vu, tous vu, la mobilisation exceptionnelle qu'il y a eu ce jour. Je ne trahirai pas, en tout cas, les aspirations légitimes des populations de Tionkissel à un mieux-être. C'est le sens de mon engagement. C'était plus facile pour moi de rester ailleurs. Mais j'ai choisi de revenir vers les miens parce que Dieu, dans sa sélection naturelle, a fait quand même que nous étions peut-être les mieux placés pour cela. Mais ce qui a motivé la candidature, c'est le travail que nous avons accompli durant cette année. Nous avons juste fait une année. Alors pendant tout ce temps, il y avait quand même une certaine classe politique qui était en place, mais nous avons su quand même faire adhérer à la population un certain nombre d'actions concrètes, ciblées sur le développement, parce que d'un point de vue stratégique, comme on était venu un peu en retard en politique, il fallait toucher le cœur des gens. C'est ce que nous avons tenté de faire et Dieu merci, Dieu nous a aidés. C'est ce que vous avez vu le résultat en une année seulement. Aujourd'hui, nous suscitons l'espoir. C'est pour cela, cet espoir-là ne sera jamais trahi. Nous allons nous battre pour soulager les souffrances des nôtres. Non, j'ai pas dit ça. L'équipe qui était là a fait de son mieux pendant les 5 dernières années. Parce que l'équipe qui était là, c'est des gens de Tionkissel, qui aiment Tionkissel. Ils ont fait de leur mieux. Je ne critique personne, je n'attaque personne. Mais nous pouvons faire mieux parce que nous en avons les compétences, nous en avons la formation et nous avons l'adhésion surtout de la population. C'est ça le plus important. Si là, j'ai été clair, moi je ne suis pas un frileux. Je répète ce que j'ai dit. Je dis, si la coalition m'investit, je suis candidat. Si elle ne m'investit pas, je serai candidat. Maintenant, le pourquoi du comment, nous, les stratégies, je suis désolé, ne se déclinent pas dans la rue. Mais dans tous les cas, nous serons candidats parce que, quand même, nous ne pouvons pas trahir tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et ce que vous n'avez pas vu. Parce que ça, c'est juste une soirée, mais il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on pourrait revenir. Bien que peut-être je sois mal placé pour le dire. Je pense que mes camarades pourraient revenir sur tout ce qu'on a réalisé pour Tionkissel ces dernières années. Et les projets, je ne peux pas peut-être les dire ici, mais nous en avons dans tous les secteurs, au profit de la jeunesse, des femmes, et au profit du développement, du mieux-être, de l'autonomisation de nos populations. Parce que le développement, c'est rien d'autre que l'autonomisation. C'est-à-dire que quand vous voulez acheter une voiture, vous pouvez vous payer une voiture, quand vous voulez acheter une maison, etc. A fortiori, les besoins élémentaires, la nourriture, etc. Alors, vous vous rendez compte que les gens ici, ils ont des problèmes élémentaires qu'ils ne peinent à satisfaire. Or, quand vous venez en Casamance, vous vous rendez compte quand même qu'on n'est pas les plus démunis. Ouais, mais bon, il y a juste un déclic, des choses qu'il va falloir régler. Et je pense que pour le mieux-être de la population. Oui, bien sûr, puisque je suis pas né à Tionkissel, mais je connais bien Tionkissel, je connais les problèmes. Vous savez, la politique, ça amène à tout. Nous avons identifié les problèmes quartier par quartier, contrat par contrat, à l'intérieur des qui. Chaque quartier a des problèmes spécifiques que nous avons identifiés, auxquels nous allons essayer de faire face. Mais le plus important, c'est de permettre à chacun de vivre dignement de son agriculture, de sa pêche, etc., d'être autonome. Et ça, nous avons un plan, un programme pour y arriver. Le moment venu, nous le présenterons aux citoyens de Tionkissel.